Tiens, tiens, c'est bizarre. Il s'est passé quelque chose d'étrange hier, le lundi 2 mai 2016, sur les réseaux sociaux. En effet, le groupe de rock Radiohead a choisi d'effacer l'intégralité de ses pages Facebook et Twitter. Lorsque les fans du groupe Radiohead se sont rendus sur les pages des réseaux sociaux du groupe de rock, ils ont eu une sacrée surprise. Il n'y a plus rien. Les pages officielles existent toujours, mais le groupe a vidé l'intégralité de son contenu. Ce sont donc des pages blanches qui apparaissent désormais sur les réseaux sociaux. Le compte officiel du chanteur Thom Yorke est également vide. Il n'y a absolument plus la moindre information ni la moindre photo. De quoi intriguer les fans, qui du coup font les spéculations les plus folles à propos du groupe musical un peu déjanté, qui souhaite toujours faire des surprises à ses fans. Autre indice surprenant, certains fans britanniques ont reçu par la poste un drôle de tract dans lequel était écrit une chose un petit peu particulière. Ils en ont déduit que Radiohead était bel et bien sur le point de sortir un tout nouvel album. Il s'agirait du 9e album du groupe de rock et surtout du premier depuis 5 ans. Vous imaginez donc assez facilement à quel point les fans sont excités. Ils font des plans sur la comète, imaginant déjà un nouvel opus incroyable. Cela dit, il faut se calmer, car pour l'instant, rien n'a été confirmé officiellement. Tout ce qu'on sait d'une manière certaine, c'est que Radiohead va faire le tour du monde entre le 20 mai et le 4 octobre, en passant par les plus grandes villes, Amsterdam, Londres, New York, Los Angeles, Mexico, Paris, etc. Radiohead étant un véritable phénomène international, il faut savoir que cette action surprenante sur les réseaux sociaux fait un véritable buzz. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous aussi vous penchez pour la sortie d'un nouvel album ? On attend bien évidemment vos avis.